Salut YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. On est en live sur Twitch, nous sommes mercredi, il est 21h pile poil. Le temps de papoter tout ça et d'attendre que les gens arrivent hein, pour commencer. Et bah, on est parti. Ce soir, nous sommes encore sur Not So Berry, sur la génération verte. YouTube-y ? Non mais Chantal, elle déconne. C'est intéressant, j'ai commandé les tissus et autres, vous voyez les CCH, je déconne. Ah, c'est trop bien, Béanaïs. C'est pourquoi tu y bosses plus. Enfin, ça peut être une question un peu, peut-être un peu, tu vois. Mais peut-être un peu. Bref, on va aller faire se coucher. Allez, Jean-Claude, va dormir. D'accord, il fait des bruits lui. On a relooké la petite Nila. Et c'est bientôt l'anniversaire de Céleste. Et oui, sa petite Céleste va aussi devenir une enfant. Et après, ici, ce sera vide. On mettra, je pense, le bureau de maman. Bureau avec bar. Parce que là, la petite Céleste, elle va aller voir dans sa chambre. Elle aura sa chambre également. Ah ouais, remets-toi-en, Janine, dans tous ses états, parce qu'elle s'est réveillée en sursaut. On dirait moi le matin. Ce matin, j'ai même pas ouvert les yeux que j'ai dû gueuler sur Jamie qui cassait déjà les couilles. J'avais encore les yeux tout collés. Jamie ! J'ai fait. Et salut Ticanelle, comment vas-tu ? Maintenant, je suis en Bretagne, je suis mon mari. Ah ouais, ok. Ah, ton poste devait être quand même cool. En fait, t'étais acheteuse. En gros, c'était. Bah, t'appelles ça la secrétaire de direction, mais en vrai, t'étais acheteuse, quoi. T'étais acheteuse chef de produit en vrai. C'est trop cool! On aurait presque pu être collègues. Presque. Pas à Disney, mais peut-être ailleurs. Je pense pas venir en Bretagne, hein, ceci dit, mais pourquoi pas. Eh ben écoute, ça va, Ticanelle, ça va. Des fois j'ai un petit mal de crâne qui se pointe, mais ça va. C'est le bordel, hein. Je sais pas qui c'est qui a mis de la peinture partout, mais c'est sympa. Merci beaucoup, Tinouille, pour ton abonnement. Merci énormément. Et 8e mois d'abonnement. Des fois, ça passe beaucoup trop vite, ces conneries. Hein. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Ismaël Desboules. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le soutif. Tu fais quoi, toi? Tu joues à Ilok. Pense à un membre de sa famille. Attends, on en était où? De ses performances. Alors, programmation, nickel. Bon, bah, c'est bien. Je joue aux jeux vidéo. Je la laisse faire. Est-ce que tu bosses aujourd'hui? Elle bosse. 10-17. On est quel niveau déjà? On est niveau 7. Ce qui est pas dégueulasse. En vrai, c'est pas trop dégueulasse. Et elle est déjà en retard pour le boulot. Oh là! Aïe, aïe, aïe! Oh là là, Ticanelle qui a glissé! Ticanelle, qui a fait la glissade et c'est le train de la hip. C'est le train de la hip qui a débuté. Oh mon dieu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit train de la hip. Écoutez, c'est l'heure du train. Pendant que la petite va à l'école, je suis désolée, je suis obligée. C'est le train. Je vais mettre sur pause, comme ça personne ne mourra. Bien ça, YouTube verra. Attendez, j'arrive. Coucou Martial, comment vas-tu? Salut Lucie. Oh là là, attendez, ce chef à la bourre. Merci beaucoup Ticanelle pour tes 5 abonnements offerts. Merci Tatsumaki pour ton 3e mois d'abonnement. Gros bisous à vous tous. Merci énormément pour le soutif. Merci beaucoup Anne pour tes 100 bits. Merci Mosoda pour tes 1 bit. Merci Linette pour tes 200 bits. Comment vas-tu ma petite Linette? Comment vas-tu? Merci beaucoup Béanaïs pour tes 5 bits. Merci encore une fois Tandori pour tes 245 bits. Merci Béanaïs pour tes 10 bits. Merci Tinouille pour tes 1 bits. Il faut que j'arrive à suivre.
Merci Lucie pour tes 200 bits et merci Ticanel pour tes 100 bits supplémentaires. Merci énormément. Chouchou, exactement. Ça faisait longtemps le train de la hype quand même. Ouais, Marine n'est pas encore là. Non mais vaut mieux Marine, elle est peut-être malade, elle est peut-être occupée, tout va bien. Hein. Chouchou. Comme ça, YouTube, vous verrez ce que c'est le train de la hype. C'est ça, le train de la hype. Attendez, je suis à la bourre du coup, moi. Vous en étiez... J'en étais où? Je sais plus. Ça, j'ai dit des dîners. Ça, plus ça se décale. J'aime trop cette musique en plus. Mais qu'est-ce que vous me faites? Oui, c'est le chouchou. Oh là là, le bordel. Mais non. Je sais plus où j'en étais. Attendez. Je crois que j'étais à Ticanel pour ses 100 bits. Merci Tika pour tes 10 bits. Merci Lucie pour tes 300 bits supplémentaires. Merci Benaïs pour tes 200 bits supplémentaires. Merci Lilaxel pour ton bits. Merci Tatsumaki pour tes 15 bits. Merci à Tandori pour ses... C'est 5 subs offerts à la communauté, comme dirait notre cher Antox. Merci, incroyable. Gros bisous à toi, Smile et Boule. Merci beaucoup pour le soutif. Merci encore à Linette pour tes 200 bits. Coquine. Et merci à Kiara Poupiette pour ton abonnement offert. À Calypsy, merci beaucoup. Gros bisous à toi, Smile et Boule. Merci beaucoup pour les soutifs. Je vais pouvoir m'en racheter plein là pour les Nibars là. Ok. Ça va, il reste pas longtemps de musique. Je vais pas le faire. N'importe quoi. Et merci Ticanel pour tes 200 bits supplémentaires. Et merci Béanaïs pour tes 11 bits encore une fois. Merci beaucoup. Vous êtes adorables, Zed. C'est qui cette conne à côté là? Ah. Ah oh oui, un bits, ouais. Ouais, c'est un bits avec un bits, ça fait déjà 2 bits, hein. Pour le remboursement du Navigo, c'est pas mal, hein, quand même. Donc là, c'est si vous voulez, on remet la musique, mais j'ai plus la musique. Hein. Mais on peut remettre un petit peu, un petit bout. Comment on fait? Je suis paumée. Il faut que tu achètes des bits dans le petit losange à côté de des émotes dans l'espace chat. Attention, je ne te conseille pas de les acheter si tu es sur téléphone parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est un peu une arnaque. Voilà. J'aime trop la musique. Eh, je pourrais me faire une version longue de ça, en vrai. Ah non! On a réveillé le fauve! Marine est là! Marine est arrivée, on a réveillé le fauve! Merci Wing 1, ça note merci Wing 2. Merci beaucoup. Alors attends, j'ai oublié. Alors Béanaïs, merci beaucoup pour tes 100 000 supplémentaires. Merci Marine et coucou à toi pour... Et merci pour tes 2 abonnements offerts. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Gros bisous et des smiley et boules. Merci. Oh la vache. Oh Linette. Oh qu'est-ce que... On fait la tête. Linette, elle spam. Linette, elle spam. Merci beaucoup Tika pour tes 10 bits, merci Linette pour tes 10, 20, 30, 40, 50 bits, merci beaucoup. Merci Tandori pour tes 94 bits, merci Linette pour tes 10 bits en supplémentaire, merci beaucoup à Gigi et coucou à toi pour l'abonnement. Ça rembourse une partie du Navigo Yule.
pour ton abonnement offert. Je sais même plus à qui. Je le vois même plus. Merci beaucoup. Ah si, à Collins. Merci énormément. Gros bisous à toi, Smiley Bou. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le soutif. Merci Nella, tu es tiré du 8, coucou à toi. Et merci pour tes 100 bits. Merci Marine pour tes 100 bits. Merci Banaïs pour tes 17 bits. Marine, elle a senti la suite, tu sais, elle a entendu le... Hey. Qu'entends-je ? Qu'entends-je ? Un train sans moi ? J'arrive même plus à suivre. Mais j'en étais où là ? Non attendez, c'est pas possible. Mais si ! Merci Bianaïs pour tes 17 bits, merci Candy pour tes 20 bits, merci Ticanet pour tes 200 bits, merci Linette pour tes... 10, 20, 30, 40, 50 bits. Merci beaucoup Kiara Poupette pour l'abonnement offert encore une fois à Laura. Merci... Merci beaucoup Marie, coucou Marie pour tes 100 bits, merci beaucoup. Merci Tinou pour tes 10 bits. Merci à Marine pour l'abonnement encore une fois offert à Star59. Merci énormément et merci Candy pour tes 20 bits. Ben voilà, vous avez explosé le train. Vous avez explosé le train. Bon sang de bonsoir le con. Attendez, je sais plus où j'en suis moi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu comme... Ah, c'est encore les chiens ? Bah, j'en ai pas eu, du coup, de dévote. C'est bon, c'est les 30 dernières secondes, les enfants. J'avoue, Marie. J'avoue, Marine. Oh là là. Oh, coucou, Julie. Merci beaucoup pour tes 100 bits. Merci énormément. Il est cassé, le chouchou, c'est ça. Le chouchou, il est cassé. Merde. Oh, merde. J'ai coupé la musique. Je voulais vous applaudir, moi, à la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros bisous à vous tous. Mail les boules. Merci beaucoup pour ce train de la hip incroyable au niveau 5. Explosé au sol, merci incroyablement. Merci pour tous les abonnements phares, merci pour toutes les grosses bits que vous m'avez offert évidemment. Et merci à tous. Et merci Béanaïs pour tes 3 bits également. Merci beaucoup, je vous vois encore. Je suis jamais très loin quand il y a un train, guys. Tout à fait, je vous applaudis bien fort. Merci beaucoup et nous pouvons retrouver nos Sims. C'est YouTube qui va faire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Chou-chou-chou-chou. Tu sais, ils vont faire avance rapide pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il est passé mon message de chan-chan. J'ai pas l'impression, en même temps, j'ai pas suivi. J'ai juste vu sur le timeline que t'étais là, mais j'ai pas vu dans le chat. C'était bordel dans le chat, j'ai rien vu. Donc je ne sais pas si tu as mis un message avec, je n'en ai aucune idée. Allez, on y presque. Elle a un peu de mal, Chanchon. Elle est encore un peu à la bourse, c'est pas grave. Je comprends, la rediff, c'est saoulant. Oh là là, qu'il est méchant. Allez! Bah écoutez, il va y avoir quelques petites notifs, hein, parce que voilà. Merci beaucoup, je vous envoie du love et de la saucisse dans la chetron. Merci beaucoup pour ce train de la hip. Et puis on va reprendre notre petite note Sobéry. Parce que ça fait que 14 minutes qu'on recorde et on a eu un train de la hype en plein milieu, bien sûr. T'as encore une nouvelle idée ? Parfait, tu te la notes. Évidemment. Ah, ça fait tristoun de retourner juste sur les Sims, tu sais, tu fais... Ah ! Oui, bah, du coup, il y a Chanchan qui est un petit peu en train de retard. Ah ! Normalement ça devrait passer Marie, mais faut juste que t'attendes parce que là du coup il y a un petit peu de retard. Bah alors Jean-Guy, tu vas me faire tu vas me nettoyer en fait, tu vois bien que t'as des trucs à faire là.
Forcément, il y a du retard. Qu'est-ce qu'elle a la petite? Elle a faim. Ok. Ah, c'est vrai qu'on avait amélioré... Ah oui, j'avais amélioré la cuisine la dernière fois, j'avais oublié. Ah, regarde ma cocotte. Il y a des pâtes. Ça me hurle... Ah bah oui. Salut en direct de mon dernier bain pour mon avant-dernière nuit dans mon appartement à Jean 21 Boulet. Merci Chantal. Oui, donc c'est toi qui spam, t'as spammé et tu vas respammer, c'est magnifique. Merci, merci, merci Marie. Si YouTube veut savoir qu'ils viennent. Qu'est-ce encore le bordel? Alors attendez, parce que là, on en est où? Je sais même pas. Je sais plus qui c'est qui avait offert à Tsar. Oh, mais merci énormément. Hein. Parce que là, elle a un peu de retard encore. Donc je suis désolée, ça va faire cling cling encore pendant 10 ans. D'accord! La meuf, elle allait se faire un petit rich pour comme ça. Agent 21 QQ. Ton idée est gravée dans la roche, c'est bien. Perfect. Là, elle va aller travailler au soumier. Ah, on va l'ignorer. Perroquet kéké, évidemment. Quoi d'autre? La vie n'est d'adoption. Marina Mercier est abusée par le foyer Rainbow. Ah bon? Lequel de Rainbow? Parce que c'est chez nous, ça. Je suis en direct de mon bain pour mon avant-dernière soirée dans mon appartement à Jean 21 Mousset. Ah. Ah non, je voulais pas me taper le spam. Désolée. Voilà, la mousse. Hein? Alors, qu'est-ce que je voulais faire? C'était oui, regarder où est-ce qu'elle en était pour son boulot. Je sais, Marie, elle va râler. Et lui, il se balade en calfouette. Ah, salut Jess! Comment ça va, Jess? Oh, c'est le jour de la loterie! On joue? J'espère vous avez tous le seum de mon bain de mousse dark mode kappa. Se préparer au pire. Son entreprise étant en croisière permanente, Pomme commence à penser à l'avenir et en particulier à ce qui se passerait si un événement apocalyptique s'abattait sur la ville. Une invasion de zombies. Oh, voilà la prochaine sortie des Sims. Des zombies. Une violente pluie de météorites. Oh, voilà la prochaine sortie Sims. C'est les météorites. Toutes sortes de calamités peuvent potentiellement survenir, mais il y a de l'espoir. Une idée peu pratique, mais très excentrique, vient à l'esprit de Pomme. Et si elle achetait sa propre île privée où se réfugier en cas de catastrophe? Est-ce qu'elle achète une île privée, augmentera son notoriété, ternira sa réputation et paiera une grosse somme d'argent, donc 2000 simflouz quoi, ou résister à la paranoïa? Il n'y aura aucun changement dans la vie de Pomme. Ah! Bah écoutez, ça va être soumis au vote du public. Bien sûr, le public qui est en délire actuellement sur Twitch, là, ils ne tiennent plus en place parce qu'ils disent « Ouais, je veux voter! Ah! Je veux voter! Ah! 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 Je veux voter! Ah, c'est incroyable! Je me retiens de voter, c'est incroyable! Ah! Donc, achetez une île privée et résistez à la parano. Vous aurez 2 minutes pour voter, c'est maintenant tout de suite. N'hésitez pas à refresh votre page si vous ne voyez pas le sondage apparaître dans l'espace chat. Et c'est comme ça que vous allez décider ce qui va se passer pour Pomme Pomme, sachant que aucun des deux, elle ne perdra son emploi, donc on peut vraiment voter. Salut Pauline, comment vas-tu? Ça fait du bien quand ça s'arrête. On est d'accord, ce mot, on est d'accord. Qu'un peu de chance, son ordi va tomber dans son bain, on l'entendra plus. Bah, elle est peut-être sur son téléphone, je sais pas. Il fait un sondage, je peux pas. Tu sais, je l'ai fait avant même que tu le dises. Je me suis posé la question, donc. Que tu le dises, que tu l'écrives. Oh là là, ça va plus. Je veux voter à Jean 21, boule. Je suis toute excitée, j'aime les sondages. Ah, ça m'intéresse ça. Donc n'hésitez pas, il vous reste encore 1 minute. Je crois qu'on m'a posé la question. Une question, mais j'ai pas vu. Il y a eu trop de trucs d'un coup.
On m'a demandé si j'avais résolu mon problème de PC. Non, c'est pas ça. Et en fait, bah non, j'en ai aucune idée encore. Donc, logiquement, non. Ah bah oui, c'est Pauline en plus. Ouais, je suis désolée. Non, 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 non. Là, il est stable, mais il a planté déjà deux fois depuis que je suis rentrée. Et non, c'est pas résolu. Voilà. Qu'est-ce que vous votez? Il vous reste encore quelques secondes. Ah, je vois, je vois, je vois. Je vois les résultats dans ma boule de cristallon. Je les vois. On va dépenser de l'argent. Et après, on achète un billet de loterie. Il faudrait bien. Si ça tombe encore sur notre tronche, je meurs. Sachant qu'on n'a toujours pas entamé le million qu'on avait déjà gagné avec. Avec qui? Avec Toya qu'on a gagné, non? Il veut se faire sonder, il n'y a aucun problème. J'irai même deux fois plus qu'une. Alors, nous allons acheter une ville privée. Alors, j'ai toujours les sondages qui sont. Ouais, voilà. Enfin, comme ça, YouTube, vous le voyez. Même si c'est pas beau, parce que je sais pas pourquoi ça fait comme ça. On va acheter donc une île privée. Même pas! Et 1176 Simflouz! Quand ils veulent, j'achète une île privée, moi. Parce que là, franchement. On n'est jamais trop prudent. Pomme a décidé d'acheter sa propre île d'urgence tout près de la côte. Elle a ensuite immédiatement entrepris d'y construire une villa qui lui permettait de survivre à l'apocalypse de manière agréable. J'ai voté à. Les médias ont rapidement révélé que Pomme était à l'origine de ce chantier et la population locale a été furieuse de découvrir la destruction de leur belle vue sur une île préservée. Oh, les médias se sont rapidement mêlés et des intervenants ont dépeint Pomme comme faisant partie des 1%, une élite inaccessible qui ne pense qu'à sauver sa peau et d'aider ses voisins. Oupsie! Bon. Oh, regardez, la gamine, elle s'occupe, hein! Qu'est-ce que ta bichette? Bah, tout va bien, regarde! Simbafuna! Ah oui? Simbafuna, moi je connaissais. Enfin, non, je connais même pas Simba tout court, alors Simbafuna, tu parles que je le connais? Simbafuna. I don't know! Et toi, tu vas venir passer l'aspirateur à l'étage supérieur. Voilà, donc en attendant, hein, on n'a pas grand chose à faire parce qu'on a Pom Pom qui est au boulot. Donc, à part qu'elle travaille dur comme fer. On va pas faire grand chose. Save. C'est pas faux! Nous savons. Save me ou save me. Pas de chance pour ton PC, mis à part la fatigue, ça va, je vais dormir 3 heures. Ah oui, d'accord! Grosse sieste! Elle fait quelle taille l'île? À mon avis, assez pour une grosse baraque, mais bon, c'est quand même pas cher dans les Sims. Hein. Enfin, quand tu joues à la loterie, tu gagnes 1 million, mais par contre, quand ils te disent une grosse somme d'argent, c'est 2000 boules, quoi. J'appelle pas ça une très très grosse somme d'argent. Je dis pas que je voudrais pas les recevoir. Aucun problème, hein. Ouais, prends un ticket de loterie. Ce serait tellement drôle qu'on regagne. Je serai MDR. C'est un caillou sur le prix là. Ah ouais, moi aussi j'achète. Hein. Bon. Une privée dans les Sims, c'est moins cher que deux loyers, j'avoue. Bah attends, 1700 quelque chose? Attendez, les factures, elles sont de combien dans la maison? Ah bah on paye 10 000 de factures. Hein. C'est clairement abusé. On paye 10 000 de factures pour la baraque, l'île elle a coûté un dixième de la facture quoi, faut pas déconner. Oh non, j'hallucine, vous faites n'importe quoi. Ils ont pas le sens des proportions, hein. Ils te font vendre un œuf à 11 balles, mais par contre une île elle vaut 1000 balles quoi, okay, c'est logique. C'est l'apocalypse, on s'en fout des voisins, à tous les coups c'est une île en sucre qui fond. Ah, tu peux baiser le sol et tu te nourris en même temps. Et c'est l'heure de la pub pour Mélanie. Elle a acheté la poubinette. C'est une île en Bretagne. Bah alors, c'est bien la Bretagne. Je crois. Je crois. En plus, il fait le gogol. Il se la pète, là.
Donc je vais vous envoyer une petite page de pub pour Twitch. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sub, bon après tout ce train de live, vous avez peut-être récupéré un sub. Donc si vous n'avez pas de sub par contre devant votre pseudo, une petite paire de fesses, et bien ça veut dire que vous êtes peut-être potentiellement choisi par Twitch pour regarder une pub. Et grâce à ça, sans rien faire, vous me donnez un petit peu de centimes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot sur le chat quand vous avez une pub, que comme ça je puisse vous remercier, évidemment. Et c'est un niveau 7. J'avais dit onigiri ? Je me souviens même pas. J'ai dit qu'il devait faire des onigiri. Ouais, partage les astuces de Sims sociable et... Tu te plains ? Non, te plains pas. T'as épousé une héritière de la loterie, là. Une héritière de la loterie. Mmh. Tu vas chanter la chanson du jour férié. Ah. Là, le chien. Tout va bien pour vos oreilles. Bah oui, je sais que t'es là. Je sais que t'es là. Oui, t'es content, hein. Oh là là. Oh là là, maman. C'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que c'est facile de faire de l'argent dans les Sims. Mon copain joue pas sans code d'argent, je comprends pas. Bon, oui, c'est facile en vrai. À la limite, si je fais des codes d'argent, c'est pour. Si je veux représenter un truc et que j'ai pas assez de budget, par exemple. Bah, vous avez vu, avec le resto de Jackie, je me suis rajouté un peu parce qu'en vrai, je pouvais pas. J'avais pas de thunes pour finir de meubler le truc, donc. Ah bah, j'ai perdu un bout de mon collier. Pourquoi toute la merde, c'est moi qui me la récolte, en fait? Hein? T'as dit bonjour? T'as pas dit bonjour à Twitch et YouTube? Bon, bah, il veut pas dire bonjour pour l'instant. Allez, salut Jess, à la prochaine! Tu vas raconter une histoire à ta gosse, et tu vas jouer avec elle. Ah, bah, elle est revenue, elle! J'ai même pas vu. Ça fait un moment qu'elle est revenue en plus. Oupsie. Et puis bah tu vas aller faire tes devoirs, Janine. Peut-être t'es pas sale toi, hein. Tu devais pas qu'on te lave les fesses, non ça va. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes s'ils sont sages, s'ils ont pas écrit de bêtises sur le chat? Merci Pyriade pour la pub. Les canins de ton chat, j'aime trop, c'est chou. Ouais, mais c'est chiant. Mais c'est mignon, hein, je suis d'accord, mais... Pfff... Des fois, c'est chiant. Alors, autant je déteste les bambins, enfin, je les déteste pas, c'est pas vrai. Mais ils causent beaucoup trop de problèmes dans la vraie vie, dans la vie des Sims, je veux dire, dans la vraie vie. Mais cette interaction est toujours la plus mignonne, quoi. Trop beau le resto de Jackie, surtout en costume. Hein, Jamie? Bientôt, il n'y a plus de coucou. Et YouTube, quand vous verrez cette vidéo, cette rediff, il aura les coucouilles coupées. Oh. Ces derniers achats, je vous offre 150 000 euros, le chaton. C'est... Après, il va baisser en prix. Hein, donc, pour l'instant, c'est la dernière chance que vous aurez de l'acheter. C'est maintenant. Et il a ses petites noisettes, bien comme il faut. Ah. Oh. Et elle a gagné 686 Simflouzes. Et pas de promotion. Elle est belle. Tu es belle. Elle va courir. Oh la connasse que je suis. Après, elle ira faire ça. Elle ira se doucher. Et puis, elle ira aussi au pipi juste après. On va tout faire. Et on va, tant qu'elle est à l'étage, travailler sa mixologie. Ah. Oui, t'en fous toi.
Alors, on va retourner voir notre petite Nila, qui est devenue enfant la semaine dernière. Bon, elle a une tête un peu chelou, hein, pas vous cacher. À voir quand... Après, sa mère, elle était pas belle non plus. Oh, l'autre, elle est en train d'être trop pauvre, j'ai même pas fait gaffe. Ça fait des bruits chelous. Et sa mère est magnifique. Elle est contente, elle a fait qui caca au bon endroit. Non, 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 tu m'as déjà renversé mon verre quand j'étais pas là. Tu ne vas pas là non plus. Ah oui, je te connais. Je te connais, monsieur Jamie. Jamie Croquette. Allez voir quoi. T'es allé voir ta mère? T'es contente? Oh, maman est rentrée. Vas-y, va raconter des histoires à ta petite sœur, là. J'en ai quatre et des fois, ils sont collants. Voilà. Bah, Tyrion, pas trop. Bah, tout à l'heure, elle a juste demandé à jouer, mais... forcément, ça a réveillé le fauve, donc après, il voulait plus trop. À quand la suite de Jackie? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien. Tu le prends, Candy? Tu me fais un petit virement, s'il te plaît, de 150 000 et on s'arrange. Euros, évidemment. 150 000 avant la virgule. Et ce petit machin sera à toi. Alors, bon courage, hein, parce que vu le nombre de conneries qu'il me fait. Et pour info, sache que une de ses coucougnettes n'est pas descendue, donc il faudra quand même prévoir une petite opération pour faire descendre la deuxième. Hein? Ah oui, monsieur Monocouillette. Des bisous, mamie Yoda. On a rentré du bois aujourd'hui. Oh, t'as pas de soucis, des bisous à toi, bonne soirée. Ouais, Pomme aussi avait une tête bizarre, ouais, j'avoue. Ce fut une très bonne surprise quand elle est devenue adolescente. C'était très agréable. Voilà. Elle est tout bien, toute remontée, là, regardez-moi ça. Et là, elle va nous faire du skills. Oh, qu'elle est belle! Avec sa nouvelle tenue. Je crois qu'ils sont en train de jouer en bas. Bonne soirée, Ruline! Il perturbe les cams. Qui ça? Jamie? Il fait que des conneries, de toute façon. Jouet disparu. Bah, continue à chercher, Jeannette. C'est pour ça qu'elle faisait rien, la qualité là. Voilà. L'autre est en train de jouer en bas. Bravo! Il perturbe nos cams. Oui, d'accord, pas de soucis. J'ai oublié de le dire, je parle pas beaucoup du perso. On n'est pas là pour ça. Mais je vais me paxer, je suis contente. Alors j'ai dit partout. Ah, bah c'est cool, Iruline, bravo! Bravo, bravo, bravo. Ah, je pensais que tu partais. On dit bravo, Iruline, Jamie! Bravo! Bravo! Oh, tu vois, il est content. Regardez-moi ces petits chatons. Wow. Petit con. Oh, t'es un petit con. Arrête de mordre. Regarde, elle est en train de faire à boire. Ah, ça y est, il a capté. Regarde ce qu'elle fait. Tu veux qu'elle te serve quoi? Un verre de jus de pâté? Si tu mords, tu t'en vas, Jamie. Hein, je te l'ai dit déjà 15 000 fois. Ah. Allez, un peu de patience. Et après, coupe. Bah, elle a déjà fait ses devoirs. Le cochon de Charlotte? Le cochon de Charlotte. Alors, s'il y a des Charlottes parmi nous ce soir, ben, dis-moi, dites-moi si le cochon va bien. C'est pas... Ah oui, puis il y a une vache avec...
Il y a quoi dedans? Oh, il y a pas de cochon, ça. C'est un coin-coin. C'est un coin-coin. On est d'accord ou pas? Il y a pas beaucoup de texte, hein. Je sais pas ce que tu fais à déchiffrer pendant 10 ans. Elle est un peu conne, notre fille, je crois. Elle reste bloquée sur deux pages de coin-coin. Elle est un petit peu conne. Poussin. Bon, je sais pas, ça ressemble à une tête de canard pour moi. Et pattes de canard, quoi. Et t'es bougé? Pendant que Jeannette fait encore des cocktails. Ouais, elle est bien, hein. Et elle gère hein, quand même. Bon, en même temps, elle est presque... Elle est quoi? Oh, bah, on va arriver niveau 9. Génial. Génial. On peut faire les deux niveaux 10, hein. On peut faire la mixologie niveau 10 et le jeu vidéo niveau 10 aujourd'hui. Bah, écoutez, on va essayer de le faire, hein. Comme ça, on va monter. C'est le jeu des 7 différents, ça, j'avoue. Elle s'est dit pour plus que plus tard il servira à autre chose. Oh la coquine Marie, ça sent le vécu. J'adore comment elle va faire mieux. Elle est assez vue le coin-coin, c'est ça. C'est... Oups, pardon. Je croyais que j'étais en tab, mais en fait pas du tout. Halloween. Hello, Halloween. Hello, Halloween. T'as rien à faire, toi. T'as pas du ménage et tout. Parce que là, tu nous saoules, en fait. Si, t'as des trucs à laver. Non, mais la gamine... La gamine, on s'en occupe jamais. Alors, en fait, elle est buggée, là. Elle lit son livre et puis après, elle est toute buggée. Tu vas te mettre dans l'inventaire et tu vas être couchée, Jeannine. Allez, ça c'est bien. Hop, et pommette, bah... Oh oh. Je m'y attendais pas. Tu vas acheter un ticket de loterie. Attends, vas-y, avant que ce soit plus l'heure. Je sais pas, moi. S'entraîner aux techniques de mixologue. Vas-y, tu vas t'entraîner aux techniques de mixologue. Est-ce qu'elle, elle s'en fout, elle a pas d'argent de poche pour s'acheter un ticket. On a que 2 chances sur 3 millions. C'est dommage. Oh, vous imaginez si on gagne encore? Non, on gagnera pas. Attends, parce que là... Vous êtes prêts, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, Pomme? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Elle est belle, hein. Elle est belle, mais elle est dans l'incompréhension la plus totale. Mais qu'est-ce que... Comment? Ah tiens, ça va être... Vous avez vu, ce sera la magnifique... comment ça s'appelle? Miniature de ce live. C'est bien fait. J'avais jamais vu que ça pouvait exploser comme ça. Tout à l'heure, elle va prendre feu. On va être content, tiens. Miniature Martial, on est connected. Bah. Bah. Il a des envies, lui. C'est vrai qu'il s'est dit, t'as vu comment elle manipule les goulots de bouteille? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec ma main? Ma paire de lunettes. Il a fait le ménage et il est tout excité, lui. Hein. Du coup, il va y se coucher pendant que l'autre elle est encore en train de parler. Son petit caleçon à fleurs, là. Hein.
Magnifique. Bon, est-ce que t'es fatiguette un peu? Voyez minuit. Elle est contente, hein? Se voir envoyer un baiser. Mais que sont mignons. Ah, ça a encore... Il a encore explosé. L'esprit de Marie est en train de disparaître. C'est vrai, Marie? T'es en train de disparaître? Alors, quoique je suis pas sûre que ton esprit était là longtemps, mais... Mon ampoule plafonnée vient de me lâcher. Ça doit faire ça normalement? On est d'accord? Ah oui, c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas un petit prout qui est sorti comme ça, quoi. C'est une bonne grosse flambée, quoi. J'ai plus de lumière dans Wii. Je vais essayer de mettre sur pause, hein. Quand elle va sortir son briquet. Là, je le sens. Ouais, le briquet. Oh, purée. T'es sérieuse, pomme? J'ai jamais vu, hein, faire ça. On dirait qu'elle va foutre le feu. Et il est où ton briquet, meuf? T'as juste le feu, là. Il n'y a pas de briquet. Elle est magicienne et elle fait apparaître le feu dans sa main. Regardez, elle est même elle, elle est en bon. Attention, hein. Ce suspense incroyable. Ah bah non, ça lui a repété à la gueule. Ah non, mais t'es trop nul. T'es trop nul. Eh, encore une fois. Là, je pense que c'est mieux. Elle a pas la même tête. Putain, j'étais en vitesse 3. Oh le bazar! Oh la flambée quoi! Oh la flambée! Mais elle savait pas qu'elle pouvait sortir un truc pareil quoi! Oh la vache! Mais j'avais jamais vu moi quand on pouvait faire ça en faisant du mix, de la mixologie. Quand Charlotte dans le Legacy elle l'a fait, elle m'a jamais sorti des flammes hein! Ou alors me trompe, je. Mais. Ah, on dirait qu'elle est blonde comme ça. Eh, ça lui irait super bien d'être blonde. Tu vois, rien ne va plus. Elle a des pouvoirs en plus. Ça l'amuse, elle recommence. Jamais vu non plus. Bah ouais, mais j'ai pas fait s'entraîner. J'ai fait l'autre truc. J'ai fait s'entraîner aux techniques de mixologie. C'est pas juste s'entraîner à faire des verres. Et c'est peut-être ça la différence. En tout cas, c'est une sacrée flambée. Hein. Allez, bah, va te coucher, bon. Voilà, je referai de l'autre. Ah oui, c'est vrai, c'est pas maintenant qu'on sait les résultats. Save! To be safe! Il est 2h27 du matin. Ouais. Célébrer l'anniversaire de Céleste, petite pitchounette. Oh, t'as faim, bichette! Oh, mon petit cœur. Tu peux bouffer le... Non, tu peux pas manger. Tu vas sur le pot pendant ce temps-là? Oui, je vais te ramener à manger. Oh, je suis mignonne, je suis gentille avec la gamine. Hein. Ah bah. Mais va manger, Jeannette. Après, tu iras manger. Manger, va pisser. Et après, tu mangeras. Voilà. Ah, un beau gros caca. Toutes les couleurs lui vont, bah peut-être, ouais. J'avoue que je n'ai point essayé, mais peut-être. Je crois que je vous ai pas partagé le foyer encore. Faut que j'y pense. J'essaierai demain. Oh. De faire les cocktails ou de cracher des flambées comme ça. Un onigiri, c'est trop bon. Et hop, t'iras dormir après.
C'est bien parce que les enfants, ils ont peur d'un monstre sous le lit, mais quand ils voient un machin réel, rempli de poussière, qui fait des... ils réagissent pas. Non, ils trouvent ça mignon. Ouh, par contre, lui, il doit pisser. Hein. Remarquez, moi aussi, je dois pisser. Elle va pisser, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ça va pas être possible d'aller en même temps. Tu vas aller faire une pipoussette, là. Tu vas... J'ai rangé la bouffe. Tu vas manger les restes et après tu feras ta douche. Mais toi, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Le ménage. La la la. La 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 la. Pourquoi t'es réveillée pour la... T'as pas fini ta nuit. Tu vas la poser. Tu vas rien poser du tout. Tu vas finir ta nuit, wesh. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Et les Sims qui font plus leur nuit, là. Ça commence à bien faire, hein. Pire que les enfants dans la vraie vie. Ok, Marie. C'est les gosses. Faut pas chercher à comprendre. Salut, Guillaumus Guirlandus. Comment vas-tu? Elle était bonne, celle-là. Ah ouais, hein, d'ailleurs. Voilà. Faut quand même que je mette à, hein, que je rentabilise mon peu de son que j'ai. Mes peu de son. Mon peu de son, ça veut rien dire. Elle a eu le temps de tout faire avant d'aller à l'école sans être trop à la bourre, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu fais à cette pauvre gamine? Tu vas lui laver le cul? Ouais, je pense. Ouais, donner un bain. Ah, parfait. Mais en fait, ils ont plus besoin de moi. Maintenant, ils ont compris comment ça fonctionnait. Moi, je suis là, je discute avec vous, hein. Ils font tout ce qu'il faut. Écoutez, les Sims, c'est super. Hein? Donc sinon, ça va? Vous avez mangé quoi ce soir? Tant qu'à faire, les enfants. Il y a pas elle qui a pas fini sa nuit non plus, hein. Comme les gosses. Promotion peut-être aujourd'hui. Promotion canapé. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai encore les pas de quiz. Il va être 22h, Marie. Bah alors. Et le travail de Pompote commence dans une heure. Pompote, elle a la... Elle doit poser sa crotte, Pompote. Ça rime. J'étais obligée de la faire. Oh là là, cet humour potache, chorlé. Qu'est-ce que tu es drôle? Une bonne tartiflette! En fait, normal qu'on n'ait pas encore le super manoir du challenge 6 minutes. Alors, il n'y a jamais eu de challenge 6 minutes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu les as bien dressés, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ça que je sais bien dresser, d'ailleurs. Hein? Bon. Côte à l'échine, pommes de terre sautées. Ouf, non, moi j'ai bouffé des pâtes avec des fourrées, tu sais, vous savez, des trucs de... Parmesan, c'est tout. Je me suis régalée. C'était bon. Slaboum. J'ai la flemme de faire autre chose. Moule frites. Ah ouais, carrément! Maman. Oh, la tartif marine, j'en veux une. Je mange des haricots verts avec du beurre demi-sel. C'est tout? T'es au régime, Guillaume? Des gâteaux de riz coréens façon carbonara. What? Palais raffiné. Alexandra Pastéis. Ah, Simstum nous a remporté 12 Simflouz et QQ Sims 80. Pucusim, ça, c'était notre appli porno de la semaine dernière que Pomme avait créé. Grâce à vous. Eh bien, nous sommes plus riches de 80 Simflouz à défaut d'avoir le million. Langue de bœuf. Ah non, ça, c'est mort. Bleh. Je vais manger à chouchoubite quand... Tu manges à minuit, bien Aïs, la vache. Non, 15 minutes, je crois, la maison à Forgotten ou la rénover. Non, c'était 30. Mais ce sera quand la vidéo sort. Que j'ai même pas commencé à faire le montage. Même la création. Donc.
du couple, alors laisse tomber. Je suis pas prête. J'ai mangé une pizza. C'est bien à quoi la pizza? Flammeux. Ah, genre, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé! Lasagne maison. Oh oui, mais petit cœur, je veux venir, moi. Tu peux ban Guillaume, pourquoi? Parce que il a dit demi-sel, c'est ça? J'avais juste envie d'haricots verts et j'avais pas trop faim. D'accord. Mange vite un Kinder. Des quoi? Des Théoc Boki? C'est bizarre. Après, moi, tout ce qui va être japonais, chinois, coréen, je connais rien. Et tout me paraît bizarre. Ben alors, Jean-Guy, tu t'es pas bien décrassé, t'as plein de plaques. T'as rien à nettoyer, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à faire, ce pauvre garçon. C'est un papa au foyer. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand sa deuxième fille sera à l'école? Elle doit grandir, elle? Oh là là! C'est l'anniversaire de Céleste. C'est l'anniversaire, c'est pour celui de ta mère. On a déjà le gâteau. C'est dommage, mon petit fillot. Bon, on va rester dedans. Tu vas faire autre chose? Tu vas cuisiner des trucs pour le... Les pâtisseries. Voilà, on va bouffer des graissins, c'est de la merde. Mais au moins, tu feras des pâtisseries. On va inviter les gens après, pour l'anniversaire. Cousin, cousine, tonton, tantine. Pizza burrata roquette tomate cerise maison. Même la pâte, tu l'as fait maison? Alors, on fait des suggestions, on demande clairement un défi, les enfants. Si tu veux, tu peux venir. J'arrive. Après le live. Comme sachant que je sais pas où quoi où c'est, je peux arriver à 3h du mat. J'espère que ce sera tout beau, tout chaud. Je suis en train de faire ma sixième pour Iowa, mais c'est celle que quand j'étais jeune, le pauvre Iowa, sinon lui filait un grand-mère, ce serait pas top. Pas de soucis. Fait des suggestions. Ah, nous avons un petit sondage qui a popé. Alors bien sûr, ça ne pope plus au-dessus de ma tête. Et pourtant, il y a le petit sondage dans l'espace chat. N'hésitez pas à faire un petit refresh si vous voulez voter que vous ne voulez pas apparaître. La pâte est maison. Ah, génial, tandoori. Super. Et si ça m'intéresse d'avoir ta recette. Après, moi, j'ai ma recette de pâte, mais je suis toujours ouverte à avoir des recettes de pâte à pizza. Pour voir si c'est à peu près la même chose ou pas. Dans le centre, il te faudra 1h30 à 2h pour venir. T'habites dans le centre? D'accord, je vois. Ouais. Après, si après live, tout ça, le temps que j'arrive à la gare, ça va faire un peu. On va faire ça demain matin. D'accord? Ça ira mieux demain matin. Alors, Guillaume. Quand j'ai lancé le live, genre 2 minutes après, c'est mon PC qui a tout simplement planté. Donc, reboot forcé. Et ensuite, quand on s'est mis sur les Sims, c'est OBS qui était en train de crasher. Sauf que comme je venais déjà de redémarrer et que là, il aurait fallu que je redémarre un truc, et franchement, j'avais vraiment pas envie. J'étais déjà rentrée dans un énervement. Voilà. Donc j'ai clairement abandonné le truc, voilà. J'ai vraiment pas eu envie de me casser la tête. Et c'est OBS qui est en train de crasher. C'est-à-dire que quand j'ai cliqué sur arrêter le live, bah ça s'est pas arrêté, mais ça je m'en doutais, c'était OBS qui plantait. Voilà. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein. Quand c'est pas les Sims, c'est OBS. Quand c'est pas OBS, c'est les Sims. Et puis sinon, c'est le PC tout court. Ah ouais! On est content. Vas-y, moi je suis de repos. La chance. Au chanson. Il a le pécho de mes 6 mètres. Tu te racopines qui se font la gueule maintenant. Oh là là. Je te fais visiter les châteaux de la Loire, surtout Chambord. Ah, je l'ai jamais vu. C'est magnifique. Hein. Enfin, je crois. Le choix numéro 2 à 67%. Demandez clairement un défi. J'espère que. Gain de performance moyen. Mais je prends parce que là, ça veut dire peut-être. Oh, on a déjà la promotion. Niveau 8 is coming. On est sur le point de terminer notre génération verte. On n'est plus très très loin de la fin de la génération verte, les enfants. Puisque là, si on chope la promotion, on est niveau 8. Donc il nous restera 2 niveaux.
Et il nous reste deux compétences à compléter. On est déjà à 9,44 et presque 9 aussi. Donc en vrai, ça va être facile. Hein. Super, la technologie ne nous aide pas vraiment. Oui, je comprends qu'à un moment donné, tu laisses tomber. Je fais ça aussi. Non, mais ouais, là, franchement, hier soir, j'avais pas la foi. Hein. C'est comme je savais pas... Bah vas-y, Covid, merde, connard. Pardon, pardon. Mec, Covid parti, là. Je suis vraiment... je suis une streameuse vraiment... te faire des biscuits, machin. Je sais plus ce que je veux dire. Bref. Ça arrive, c'est comme ça. T'es prêt de bois, d'accord, ok. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu... Château de Chambord. Pas beaucoup de châteaux de la Loire d'ailleurs, tout court. Faut que tu regardes le journal des événements pour voir si ton PC a un problème de conflit ou autre. Une chaude levure, ça je fais deux pâtes parce que c'est un petit four. Ouais, avec 350 grammes de farine, ouais, tu m'étonnes. Parce que moi je fais 250 grammes la mienne et la pâte gonfle et elle est assez épaisse. Mais ça m'étonne pas que tu fasses de pâte. Ouais, en vrai, t'as plus d'huile que moi. Moi, je mets j'ai du fromage blanc dans la mienne. Et du coup, avec juste une cuillère à peu près de soupe d'huile. Et un œuf. Moi, c'est ça, ma recette. Un jour. Bah, je crois que je l'ai déjà donné, je crois. C'est bien, il fait des petits gâteaux pour l'anniversaire. Hein. Petits gâteaux. Qui c'est qui veut manger les biscuits à la farine d'avoine? Ah, tu vas te laver? Ouais, va te laver. J'avoue. Le mec, il est covidé. Nananananer. À force de traîner à poil partout dans la maison. Oh là là! Oh là là, Céleste! Je peux te dire, on va t'envoyer dans le ciel avec un gros coup de pied au cul, tu verras. Les étoiles, elles vont vite passer à côté de toi. Hein. Fais gaffe à toi. Ouais, t'as beau gambader, tu vas te engueuler. Rien à foutre. Lavage de main, c'est ça. Ouais, bah y a pas de la... Ça existe pas dans les Sims. Ils ont pas de lavabo dans la maison. On dirait Jamie quand je lui râle dessus. Yeteyur, c'est la même chose. Pourquoi? D'accord. Ah bah oui, je suis avec elle. Oh là là. Mais c'est bien, c'est bizarre, il veut pas nettoyer. Forcément, c'était la gamine. Qu'est-ce que t'as fait? Elle clicli, elle gnognote, elle te. Je vais pas fait. Si, c'est bon, elle rencontre des amis. Quand est-ce que tu nous ramènes un beau petit mec, Nila? Comme eux-mêmes. Ah, alors, Emma et Samuel. Samuel est visiblement pauvre. Parce qu'il a pas de t-shirt, le pauvre gamin. Il est nu. Samuel Green Herbor. Et Emma Lambert. Bon, pour l'instant, il y a... On n'a pas fait trop de... Hein? Nous avons Sophie Clarks. Guillaume Girard, que dit Guillaume, hein. Thierry Yamada, bien sûr, dit Thierry. Isabelle, oui. Cécile, Isabelle, Jeanne, Alexandra, Samuel et Emma. Mais elle est déjà là? Ah non, elle vient de rentrer. Je me suis mis exprès là pour l'avoir rentrée, je l'ai même pas vu rentrer. Non mais tout va bien chez moi, tout va bien, tout est normal. Je capte plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas courir partout, hein. Si tu veux faire une sieste, tu fais ta sieste. On va attendre que ta mère rentre pour faire ton anniversaire. C'est comme ça. Comme même Marine, elle bug dessus, tu sais. En fait, je vous ai pas dit, mais elle a dit j'ai mangé Subway. J'ai pris un 5 cookies. Je crois que j'ai quelqu'un chez moi.
Ça veut dire que c'est pas du tout bon, tout mou et chocolat dégueu. C'est à cause de ça que je fais une petite intoxication dans mes verres. Comme j'ai des problèmes d'intestin, j'ai commencé à avoir peur d'être un peu laisse, sinon ça va, on est un stone du coup. Ah! Souche? Va pisser, Jeannette, tu feras tes devoirs après. Allez, Nila. Ah, pardon, il y a Julie qui était là tout à l'heure. Faut pas que je chante faux. Sinon, la pauvre va se plaindre. On va pas parler trop fort. Le gâteau au chocolat. C'était fait exprès, ça. Pour fêter l'anniversaire de Nila. Mais c'est parce que ça rime. Et je t'ai demandé de le foutre en l'air, ça, René. Non, pas ranger. Jeter. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Hé! T'as droit à un cookie. Je t'y comprends pas. T'inquiète. Tout va bien. Bouh, ça fait peur. J'ai la maladie du comme même, je le dis toujours. Putain. Et moi aussi, c'est affreux. J'ai réussi à m'auto-pourrir. C'est merveilleux quand même, hein. Comme même. Attention! On pourrait faire une prédit? Martial? Prédit? Promotion ou pas promotion? J'ai pas regardé depuis un moment, hein. Ça peut très bien descendre. Sur les stops, il va pleuvoir, on a assez dans le chenor. Oh! Déjà ado, non, mais c'était, c'est pas pour elle, c'est pour sa petite sœur. Mais ça a rimé qu'avec son prénom elle. C'est pour ça que j'ai dit Nila. C'est la journée du hamburger aujourd'hui. Il y a des journées pour tout maintenant. Ah bon? Et on me l'a pas dit? Du coup j'ai pas mangé de burger? Mais c'est pas juste. Franchement. J'ai réussi à me pourrir aussi quoi. C'est horrible. Et il faut que j'arrête avec ça. Bon, mes nouvelles oreillettes vont nickel. Vous me détestez en fait, c'est ça. Est-ce que vous me détestez? Soyez francs. Il y en a, ils vont dire oui. Parce que je sais qu'il y en a qui me détestent. Je suis comme Sauron, moi. Enfin, j'ai deux yeux, mais je suis comme Sauron. Je vous vois. Et entends, tu m'entends pas le dire. Pourquoi? Tu le dis comment? Salut Angel, comment vas-tu? Moi, vous êtes trop gentil. Enfin, sauf Guillaume, évidemment. Je crois que Marcel est parti faire caca. Comme à chaque fois. Chaque fois que je lui demande un truc, il est parti. Bon, et bah tant pis! Il n'y aura pas de promotion. De. Comment ça s'appelle? De. Ah, je sais plus. Prédiction. Oui! C'était prévu. Hein. Et c'est un niveau 8 pour la petite jolie pomme-pommette. Et elle est promue au poste de consultante indépendante. Elle gagnera désormais 87 simflouz de plus par heure. Soit 185 dollars au total. Avec un mention bonus 2394 simflouz et. Anti-plante minimaliste. Ça, c'était cadeau. Niveau 9 aux programmations et niveau 4 de charisme, c'est déjà fait. Bon, bah, il reste plus qu'à monter sur les échelons. On applaudit bien fort notre petite pomme-pommette, évidemment. Ouais, merci. Merci. Et nous allons faire un événement social, évidemment, pour l'anniversaire de la petite puce. J'ai dit pisse à la place. La petite pisse. Ah mon dieu. Je te déteste à cause de tes challenges maintenant. Je veux faire le Lord et Lady. Ah. Ça fait plaisir. Je t'aime bien. Non jamais, même quand tu chantes faux. Je fais exprès de chanter faux, c'est ça en plus. Comme même. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ces souffrances au quotidien? Alors, Raoul, Marina, non pas Marina, on la connaît pas en vrai. Jess, Claire,
C'est qui lui? Le Hulk. Oh! Oh, il était pas beau. Opaline. Ils sont moches, mon dieu! Ah! Jules Fougère. Bah oui, c'est vrai qu'il y a Jules. Et bah c'est bien, on aura. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien parce qu'en gros, là, on aura les frères et sœurs et leurs conjoints. Et c'est assez rare pour le souligner, donc voilà. Du 5 rue des pavés. Je veux son salaire, mais oui, c'est abusé. Ah, qu'elle est toute belle, la petite pommette. Tu vas rouler une pelle à ton amoureux. Oula, oula. Non. Ah, c'est bon. Parce que là, c'était flippant. T'as vu tout ça là? Et bah, tu toucheras pas ce soir. Hein, c'est ceinture, chérie. Ils sont pas mariés. En plus, on lui a mis une belle robe. Il va falloir qu'on les marie. Ils arrivent à nous inviter ou. Ah, là, aux palinettes. Non, alors l'autre il va m'appeler, je l'ai invité, mais c'est ce qu'il va faire. Il va m'appeler pour dire hé, tu viens? Ce qu'on sera obligé de dire oui. Ah non, ça va, il veut juste discuter. Non, parce que j'ai pas que ça à foutre moi. Mon lapin s'est habitué, il n'a plus peur quand il t'entend parler fort et de reconnaître ta voix. Bon, il sursautait de fou. Oh non, Michon! T'aimes bien, par contre, peut-être que ma voisine t'aime pas trop quand tu chantes, j'ai pas le temps de baisser le son. C'est dommage. Salut Ninja, comment vas-tu? De la petite pisseuse. C'était pas voulu, pisseuse, hein. Je vais pas vous cacher. Hein. Tu nettoieras ta merde. Et pour la peine, t'iras faire tes devoirs. Oh! Bah oui, c'est vrai, on l'a... voilà. Moi, je veux bien que tu discutes avec ta belle-sœur, mais tu arrêtes de lui dire de la draguer, quoi. Attendez, on va aller voir. Ça doit être le fils de Opaline, là. Oh là là, vache, la gueule qui... Oh, la dégaine! Mec, la génération pêche, c'est fini, hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. Ouais, le fils de Jules et Opaline. Facture? Tu montres ta tête ou comment ça se passe? Là, faut qu'on te juge. Ouais, ça y est. Il a pas l'air très très beau. Hein. Après, il a des beaux yeux qui matchent avec ses cheveux. Hein? Voilà. Je sais pas. En fait, il y a des moments, genre là, je le trouve mignon, tu vois, mais... Je sais pas. J'arrive pas à me dire si je le trouve mignon ou pas. Oh, salut Jess, comment vas-tu Jess? On va partager des astuces. Et ça, c'est Jules, c'est le papa. Putain, il fait plus jeune que son fils. C'est... Et pourquoi Pain? Mais pourquoi tu t'en vas, gars? Et qu'est-ce qu'ils font? Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, tout ça. C'est bien la merde, ici, là. La 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 la. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, il y a un garçon. Ça, c'est Guillaume. Pff, encore un. Ah, c'est le fils de le Hulk. C'est le fils de le Hulk et de sa copine. Oh là là, les beaux yeux verts de maman.
Bon, bah, de toute façon, c'est un enfant pour l'instant. Il a une bonne bouille. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il est pas encore trop raté. Donc, à voir. Non, mais là, il est moche. Est-ce que tu peux appeler un peu tout le monde, en fait? Voilà, t'appelles tout le monde, ça va être l'anniversaire. Appeler, 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 appeler. Il y a à bouffer sur la table, Jeannette! Ah, mais franchement... N'importe quoi. Je vais laisser dans une autre pièce, j'ai entendu crier, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, rien du tout. Ce loup d'enfer, j'y crois pas, je sens que ça a déjà mangé, il saute pour piquer dans mon assiette. Bah attends, il est content, quelqu'un qui lui fait enfin à manger. Tu sais que tu es son serviteur, hein, sa serviteuse. Il fait mal aux yeux. S'il est beau, il a la même couleur qu'un ananas, on s'en fout, on joue pas avec, c'est sûr. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Il est entre les deux. Bah ouais, c'est, je sais pas. Il y a des moments où je le trouve moche. Et il y a des moments où je le trouve pas si dégueu. Enfin, ouais, bof. Bof, bif, bof. Allez, c'est bon, tout le monde est là. Tu as aidé à souffler les Boujax. Bah, la petite Céleste, hein, parce qu'il y a qu'elle. Ah, Jess, oui, on a oublié d'appeler Jess. Bon, c'est une petite réunion de famille, hein. C'est pas non plus... Ah, je peux pas aller la chercher. Elle est enceinte, Opaline, ouais. Apparemment, ou alors c'est de l'aérophagie, ou... Ou un sérieux petit problème d'intestin. Hein? Ou un caca qui a faisandé à l'intérieur. Je sais, mais qu'ils comprennent que s'ils mangent pas, plus personne viendra le nourrir. Mais après, hein, c'est comme ça. Hein. Quand j'ai eu Titi... Oh, la lune, elle est belle. Quand j'ai eu Titi aussi, pourtant, il était tout petit et il bouffait comme quatre. Hein, à une vitesse et tout, comme si il avait peur de manquer. Jamie! Regardez-moi ça. Dégage! Jamie! Petit con. Voilà, il y avait Tyrion en dessous, maintenant c'est Jamie qui a pris sa place. Je vais te sortir le pchit, toi tu vas tout comprendre. Hein. Voilà, il est loin. Petit con. Petit con. Ça va, mon titoun? Petit cœur. Faites des gosses. Regardez-moi, bien sûr, cette incroyable... Voilà, ça c'est toute la beauté des bambins. Hein. Gardez bien ce visage en tête, maintenant. Ah, il fait de beaux bébés ? Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Et ça c'est beau, ça ? Comment ça, c'est la vie. Hein. Tout le monde ne peut pas aussi être aussi belle que sa mère. Oh, tabarnak. Happy birthday, Céleste. Happy birthday, Céleste. Wow. La petite fille, elle a des bottes roses. Le petit chemisier bleu avec des sequins. Un menton. Peut-être un peu petit. Oh, une bouche. Un nez de cochon. Bois. Bois, ça a l'air d'aller. Alors, elle a vieilli. Je n'ai toujours pas les règles, encore une fois, à côté de moi, de la... d'une autre Sauberry.
Je sais plus ce qu'on avait mis pour sa sœur. Pêche bleue. Alors, morose perfectionniste proche de sa famille. On avait mis perfectionniste, alors, je pense. Je vais mettre la même chose. Comme ça. Parce que morose, en vrai, ça me casse les couilles de le mettre maintenant. Je préfère l'éviter. Et on n'a pas proche de sa famille, donc c'était qu'on avait mis ça. Pour l'aspiration, je me cache. Ah. Ah non. Je reclique. Oh, voilà. Super, c'est celle-là. Et boum! Quelle tronche. Voilà, la fille est heureuse de vivre. Elle a de ses joues, la vache. La petite Céleste est heureuse de vivre et vous présente tout son bonheur. Tu vas appeler à table. Regarde, t'as un cousin. T'en as un deuxième là aussi. Tu vas parler de cousine parce que c'est là où t'as place, ma petite. J'allais dire c'est pas vert, mais on est plus à générer vert. Non, non, les filles elles sont de la bleu. Mais je me suis trompée, c'est avec elle qu'il fallait parler. Mais pourquoi elle est triste? Mais Gourdas va bouffer. Cousine! Exactement. Je me disais bien aussi. Oh, je suis triste, j'ai la vie complètement pourrie. Mange des graissins. Ah, Floopy! Insulté, non, tu vas parler de jouets. T'as rien, t'as un super cousin, t'as un tonton et tout là, vas-y. Parle à tout le monde là. Sois poli envers les gens qui t'emmerdent. Et sois poli avec Jess, peut-être qu'il te fera un enfant. Qui te fera un enfant. Qui te fera un copain qui tu pourras te marier. N'importe quoi. Par contre, son style vestimentaire. Ah bah oui, bah ça. On est mal barré, j'avoue. Quand elle sera morose, ce sera pire. Ah mais Pauline, elle est parano. Pauline, elle est parano. Mais toi, t'es quoi? T'es parano, toi? Ah non. Bon, et Raoul n'est pas venu, hein. Raoul, il avait des courses à livrer. Il est pas viendu, hein. Cool, regardez, y'a personne qui a touché au gâtal. C'est merveilleux, on va pouvoir le réutiliser. Oh là! Toi, de où tu vas t'excuser? Tu vas la. Oh, ça va, oui? Discipliner, sévère, hurler. C'est pas parce que c'est ton anniversaire, mademoiselle, qu'il faut tout te permettre. Non, mais dites donc! Lui, c'est lui l'origine du Covid, hein, moi je vous le dis. Hein. We found the patient zéro. Bonne nuit, Guillaumus, des bisous. Bon. La meuf, aucun respect, elle a des gens chez elle. Oh bah attends, moi je vais tranquille, je vais me coucher, je vais jouer aux jeux vidéo. Bah non, en fait, tu vas te moquer des noobs, j'en sais rien, tu parles un peu avec tes potes quoi, enfin, avec tes bro in law. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle supplie qui comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton cousin? Sois sympa avec ton cousin. Bah ça se passe bien avec Guillaume et Nila. Ça a l'air d'aller. Ah, c'est cacophonique. Hein. Mais bon, je préfère ça au cri de bébé en fait. Je sais pas pourquoi. Elle a son portrait, la pomme-pomme, avant qu'elle vieillisse. Non, pas encore. J'avoue, faudrait que j'y pense quand même. Allez, fais le ménage, Jean-Claude. Hop.
Elle, c'est par la maman. Dag dag. Eh, va te coucher, toi, Yeller. Et toi, va pisser, va manger. Et puis, bah, dormir, non, parce que t'as pas encore de lit. Marley. So-so. La meuf qui est en boucle, tu sais, pendant 10 ans, elle dit au revoir. T'as tout compris, Jeannette. Et tu iras faire crac-crac après avec ton mec. C'est bon, t'as arrêté de... Lui, il fait le ménage. Parfait. Elle est partie se coucher. Ça, je lui avais dit. C'est bon. Ouais, toi, on va te faire ta chambre. Ouais, on va te faire ta chambre, ma choupette. J'ai une gueule à appeler mes gosses choupettes, moi. Comme eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, comme si j'étais santé mentale maintenant. Yeah, faut pas déconner. Il y a tout qui vire. Hop, hop. Oh ouais, moi, j'attends même pas là que le sol y refroidisse. Hein. Je change tout. Je change tout. Hop. Là. Tac. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Oh merde, on va mettre ça dans le jardin, il y a de la place dans le jardin. Ok. Ah bah super, ce sera ton environnement de travail, sera comme ça. Le bar est en face le bureau. Très inspirant. Very inspiring. Ensuite on va faire... Excuse-moi mon petit lapin, tu dégages. On va faire la chambre... de la sœur. Oh bah oui, super. Coloris bleu. C'est incroyable. Ouais, quel bonheur. Enfin, je préfère ça à ne pas avoir du tout de truc anti-monstre. Ensuite. J'ai pas envie de faire la même chose, hein, donc on va... Qu'ils ont en bleu. Ah oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Oh, il y a des trucs bien moches quand même. Ah, les petites fleurs. Les petits dinosaures. Les petites... Petites quoi? Les petites... oh, les petites... ah, chauves-souris. Les petits fantômes. Les petits bateaux. Ça va, mon grand? Ouf, il est parti sous la table. Il va les coin-cointer encore. Je pense que le Tyrion va les coin-cointer. Salut, Vanina! Ouais, il est moins bien fait que d'habitude. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah écoutez, je vais mettre les fleux. C'est joli, les fleux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah mais je vais remettre la tente dehors, tiens. Pour les gamines. Il y a la version bleue en... en trop bien. Comme ça, c'est fait. Tu veux un petit tapis? On avait déjà fait les tapis bleus. Il n'y avait pas grand-chose d'incroyable. Moi, de mettre ça. Ouais, on peut faire ça. Ok, j'ai compris, mon ami. Alors, tac, je vais mettre le truc ici. Et toi, tu vas mettre le truc là. Ça, ça fait superposé. Voilà, voilà. Tapis, c'est fait.
Papier peint, sol, Riddle. Je suis Riddle et je reste. Écologie. Ah ouais, c'est mieux. C'est moi ou c'est juste pas du tout à la même hauteur? Bon, c'est bleu-violet, hein, le papier peint. Est-ce que vous m'entraînerez rigueur? Ou est-ce que ça vous trigger? Vous avez 5 secondes pour le mettre dans les commentaires. Trop tard! C'est fini. Eh oui, fallait être réactif. Super. On va mettre comme s'il n'y avait pas encore assez de choses au-dessus sur le papier peint, on va rajouter un peu de petite voilà, décoration. Et je vais, alors elle avait une plante. C'est déjà pas mal en soi, hein. Je veux dire, il y a plein de gamins qui n'ont pas de plantes, hein. Ça, quand tu en as marre de bosser sur l'ordinateur, un petit verre, je valide son bureau, je veux le même. J'avoue tout, poilot. Te mettre ça, c'est bleu, it's blue because you know the blue is blue when you blue, parce qu'il est blue, et en bas c'est vert because green is the new blue, vert moulu ou vert ta gueule. Et on n'a pas mis de lumière, Aziz. Pas vert, hein, du coup, on va mettre bleu. Parce que Aziz, lumière. Je vais aller au dodo. Je suis claqué. Bonne soirée tout le monde. Au revoir YouTube agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule. Bonne nuit Marie, avant même de savoir que c'était toi, je savais que c'était toi. Et bonne nuit, repose-toi bien, madame la poule. Oh, madame la poule, elle caquette, madame la poule, elle caquette toujours. Qu'est-ce que je vais mettre? La vieille lampe. Tout est moche. Qu'est-ce que tout est moche. Ce manque d'inspiration me fascine. Je crois que j'ai oublié de mettre de la musique. De la lumière, comme Aziz. Parce que Aziz, lumière, je sais, je l'ai déjà faite. Attribuer un lit. Céleste. Voilà, ça leur a son lit. Et elle sera heureuse de dormir dans son lit. La tente ne passe, je crois, que pour les bambins. Non, non. Les enfants aussi. Bon, bah, les enfants refusent d'y aller. Je crois que j'ai des gamins casse-pieds, c'est tout. Il y a moyen. Bonne nuit, Pyria, des bisous. Je prends une pousse et crevant au boulot, juste. C'est parce que... mais vous avez pas compris que j'aimais bien vous faire des petits... C'est quoi ce jean tout déchiré au genou? On avait ça pour les enfants. I don't remember. But it's okay.
Vous avez une préférence du coup pour les chambres? Laquelle que vous préférez? Eh ben, va dormir ma cocotte. Entre celle de Nila et celle de Céleste. Bon, juste les lits sont dégueulasses, hein, parce qu'ils ont mis des skieurs dessus. Ils ont pas fait crac-crac? Je leur ai demandé de faire crac-crac. Oh, c'est le joug de la mûre! Oh! La mûre, tu jures? Quand c'est dur. Ouais, hop. Attends, avant je vais enregistrer. Parce qu'en plus, là, quand même. Quand même aimé. L'enfant qui grandit, la chambre qui est faite, quand même aimé. Et les votes sont ouverts. Tu vas attendre là que ta fille finit de... Oui. Oui, oui, tu vas escouer le tuyau après, t'inquiète. Il y en a déjà en cours. Oh bah c'est mignon ce que t'as. C'est pas de ta génération, mais... C'est mignon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, elle est contente de son environnement. Oh, c'est mon bureau. C'est mon bar. Oh, j'aime bien. Ça, ça dégage la place ici. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il va bouffer, Jean. Jean. Je veux juste m'envoler le dragon de Céleste. Attends, normal. Plus c'est un dragon bleu. C'est Viserion. Voilà. Toi-même, tu sais. Mais je t'ai dit d'aller bouffer, hein, Jeannette. Peur des orages. Ah non, pas les orages. C'est chiang les orages, parce que ça fait du bruit. Lui, il s'excite tout seul. La nouvelle chambre, je préfère. Bon, après, elles ont chacune leur petit style. Soit on aime bien les petits champis, les petits lapins, ou on aime bien les petites fleurs. Voilà. Au moins, c'est fait. Alors, elles vont rencontrer des amis, évidemment. Ah, c'est le jour de la mûre! Vous pouvez faire crac-crac? Ah, elle doit bosser à 10h, hein. Ah ouais, elles n'auront pas le temps de niquer, hein. C'est dommage. Non, mais après, c'est comme ça, si vous en aviez une préférée. Celle de gauche, d'accord, donc celle de Nila. Oula! T'as eu un problème de bras, madame. QQ Sims nous a rapporté 82 Simflouz. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Nous allons influencer l'empathie. Mais elle travaille, hein? Elle travaille pas! Ils ont changé ses séjours! Oh! Mais c'est génial! Elle va bosser! Elle va jouer! Elle va jouer un tournoi de jeu professionnel. Tournoi Vive les Sims pour pro. Échange secret de cartes du jour férié de la mûre! On va donner courageusement la carte à la personne. Ah, eh ben ça s'est pas mal passé. Oh, quel dommage. Mais on a... Vente de fleurs, on va s'acheter des fleurs. Ben là, ça s'est bien passé pour Céleste. Je pensais pas qu'on avait une femme de ménage.
Il va faire quoi lui aujourd'hui toute la journée là sous la flotte? Il va se doucher. Et là, non, si, il y a l'aspirateur à passer parce que madame, elle ne le fait pas. Oh, j'ai un vieux coup de froid là. Allez, on en profite qu'elle travaille pas aujourd'hui pour monter ses skills. À partir du moment où on sera niveau 10, ce sera facile. Jeu vidéo, on va atteindre le niveau 9. J'avoue, j'allais dire prendre la douche comme ta génération fermier. Pourquoi pas, hein ? Écoute, ça ravive des choses, hein ? T'as envie qu'il aille prendre sa douche ? Bah, tu iras prendre sa douche dehors. Allez, prendre sa douche sous la pluie. Puis s'il est malade, ça va le tuer. De toute façon, c'est pas grave, on a eu nos enfants maintenant. On peut le tuer sans impunité, on s'en fiche. Ah, les mâles reproducteurs, hein. Au moins, ils servent quelquefois. Mais bon, après... Bah, tu me diras, la génération d'avant, la petite Manon... Bah, ça, il pleut plus. Donc, il pourra pas y prendre sa douceur. La petite Manon, elle est mourue aussi, hein. Tragiquement. Parce que les abonnés ont dit qu'elle devait mourir. Elle avait rien demandé, la pauvre. Elle s'est fait mordre par Roger. Où est Roger d'ailleurs? On n'a pas installé Roger. Ou Merguez. Non, c'était Merguez, c'était pas Roger. Ah! Oh! Nous avons un cadal! Un G! Trop bien. Un Gérard. Ah! Un Gérard! Et quand est-ce qu'on a un Jean-Pierre? Il fait bien la spi. Ah oui, il fait bien la spi, oui. Pas vrai, je voulais la sauver, moi. La majorité a peu de choses. On voulait la laisser pourrir dans sa maladie, là, de bave. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais je veux pas que tu fasses ça. Genre... En plus, tu regardes une télé qui est éteinte. Bon, il est bugué. Ok. Comment ça? C'est le week-end, elle revient vexée. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas l'heure que tu reviennes? Alors, le père est bugué. Tu le débugues, la gamine, elle revient de l'école. On m'explique, là? Il y a un mode de fonctionnement au niveau des bugs ou comment ça se passe, là? Je vois pas la corrélation, moi, entre le père qui est bugué et la fille qui revient de l'école, là. I don't understand very well. Tu me diras, c'est vendredi, hein. Elle fera ses devoirs. Alors, elle a besoin de divertissement. On lui laisse un petit peu et après, c'est devoir, devoir, devoir. Je me souviens, bande d'assassins. Bienvenue dans les Sims avec leur mise à jour. Ouais. Oh, elle fait faire crac-crac à Sims. Je l'ai vu. Est-ce que vous l'avez vu, vous aussi? Ah non! Mais pourquoi ils me font toujours ce coup-là? Alors, finalement, les autres participants de ce tournoi étaient meilleurs que Pomme. Pas de prix pour cette fois. Mais quelle honte! Mais quelle honte, Pomme! Moi qui suis actuellement en train de streamer les Sims, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien sur les Sims? Alors que je suis la meilleure en Sims. Moi, j'ai les cheveux rouges pour me différencier des autres, évidemment. Enfin, rouge. Faut que je ravive tout ça. C'est plus très rouge à l'heure actuelle. La logique des Sims avec les bugs de jeu. Mais ouais, mais c'est nawak! T'en es où, Jeannette? Alors, 9-7%. Bah, c'est pas grave, tu vas rejouer. Tu veux pas ta... Bon, ouais, tu vas jouer à Sport Incroyable. Là, vas-y, fais-toi plaisir. Lui, il passe à spi. Ah, c'est vrai que c'est sa nouvelle tenue. Kappa! Brrrr!
la semaine prochaine, je pars en vacances jusqu'à lundi. Eh ben dis donc, bon courage, bon séjour en vacances. Ne pense pas à moi, hein, mais reviens après quand même. Tu me donnes les clés de ta maison? Juste, vite fait, comme ça, je vais juste aller regarder vite fait. Promis. Je change pas les clés, je m'installe pas à ta place. Promis. Bonne nuit, Tandori, des bisous. Lui, il est covidé, hein. Je sais, j'arrête pas de faire la vanne, mais en vrai, il est covidé, hein. Tu vas faire une sieste. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça va, elle est seulement dans... Là. Après, elle va pouvoir se sustenter. Hein. Là, voilà. Dirais-moi... Non, c'est ma maison. Non, je m'en fous, mais je te la laisse. Mais je veux juste la visiter. Ça marche pas. Oh, merde. Alors, Céleste revient de l'école. Fais-moi voir. Là, tu fais pas la gueule. Tiens, Raoul, il est là. Ouais, je pense que elles vont avoir un visage différent. Elles ne seront pas du tout la même... Elles n'auront pas toute la même tête. Oh là, je vais y arriver à pondre ma phrase. Elles n'auront pas du tout la même tête à l'adolescence. Donc en vrai, c'est cool. On aura vraiment deux faciès différents. Bon, elle est choupette pour l'instant. J'ai hâte de voir ce que ça donne en ado. Salut Xav, comment vas-tu? Et Mimi? Ouais. Bon, on verra hors looking, hein, parce que là, j'avoue que... Ouh, c'est quoi ce profil? Bon, déjà qu'elle fait un truc chelou avec ses sourcils, on va dire que ça... Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu rentres. Ah, bah va aux toilettes alors. Tu pourras t'amuser là-dedans, là. Tu pourras jouer à faire semblant si tu veux. Elle mange son chili et après elle va faire ses devoirs. Pour une fois qu'elle s'ouvre, oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu focus sur sa bouille. Ça va bien, Xav, merci. On est sur le Note Sobéry. Du coup, on est à Génération Verte avec Pomme, qui est actuellement en train de travailler ses skills en jeu vidéo. Oh non! Ah, bah on peut pas accepter. Hein. Il nous propose un boulot, mais on peut pas accepter parce que bah, on est obligé de faire la carrière. Donc, voilà, on peut pas. Et donc, Pomme, elle est au niveau 9 du jeu vidéo. Oui, niveau 9, donc l'objectif c'est d'aller niveau 10 avec la mixologie, la programmation, on y est déjà, pour cette génération, de la génération verte, une autre Sobéry. Et évidemment, on doit atteindre le niveau 10 de la carrière. Gros des technologies, on est actuellement à la niveau 8, on vient de l'avoir, donc tranquille. On se dirige doucement mais sûrement vers la fin de cette génération déjà. Alors que Mathias va pouvoir repasser l'aspirateur. Le pauvre, il fait que ça... Toi, tu vas aller faire tes devoirs, Jeannette. Hop. Et ta sœur, elle a fini de jouer. Eh ben, elle fera ses devoirs aussi. Voilà. Et puis à la fin. Ah ben, tu mangeras après, hein, comme ça. Bon, lui, il a soigné son rhume, bah apparemment. En vrai, c'est chiant, l'aspiro. Hein. Enfin, je veux dire, ça revient trop vite, la poussière. Je m'y habitue, parce qu'en vrai, dans le Legacy et dans le Note Sobéry, on le fait. Ah, dans Charmante Campagne, je l'ai aussi. Je l'ai juste pas mis dans Lord Anneli, parce que bah, vu qu'on n'a pas de balai, je peux pas me permettre de dire de mettre de la poussière, alors que sinon, c'est que des aspirateurs. Si on avait des balais, bon bah je l'aurais laissé. Mais là, mais c'est pas possible, là, quand même. Donc ouais, mais en vrai, ça revient trop facilement, en fait. C'est vrai que c'est chiant. Et dire que Yé a dit avoir augmenté le temps entre deux pops de poussière. Ouais. J'avoue. Bah après, là, il a passé l'aspi alors que ça venait juste de revenir. Donc ça, c'est parti beaucoup très vite.
Donc en fait, il y a plusieurs stades et je pense que même le premier stade, il est pas grave. Et tu as discuté auprès de ta fille, je sais pas pourquoi, mais tu l'as vexée, la pauvre gosse. Ah, mais tu t'entends pas super bien avec ton père? En adoration. Hey, pom-pom! Tu vas nous essayer de nous faire un petit niveau 10, là, on a encore le temps, mais. Tranquillement, quoi! Luigi Kiara fait Buza, je pense que je t'ai connu grâce à Ansel. Oui, je pense, oui. T'es arrivé, je crois, avec un raid de Febusa, si je dis pas de bêtises. Quoi? Oh, Marie. Mais ça revient trop vite, c'est une règle. De quoi c'est une règle? Hein? Comment ça, c'est une règle? Il est pas. Ah, d'accepter les trucs des amis, oui. Dans la génération verte, tout ce que vos amis. Quand ils vous proposent quelque chose, vous devez l'accepter. Sauf que, bien sûr, à l'époque, ça a été écrit. Il n'y avait pas les propositions de job. Sauf que ça me paraît logique qu'on décline le boulot parce qu'on doit déjà avoir un objectif de niveau 10. Donc ça, c'est complètement con. Le jeu a toujours des mises à jour, donc forcément, les challenges, il faut qu'ils s'adaptent. Ah, t'es H24 chez elle. Et là, t'y es pas, du coup? Ah, le festival... Ah, oh, le festival des lumières, c'est beau. Et c'est le jour de l'amour, en vrai, il pourrait se faire un rencard là-bas. 18h. C'est à quelle heure? C'est juste que quelle heure? Ah, jusqu'à 1h du matin. Bah, écoutez, ils vont y aller. Ils vont se faire un petit rencard là-bas. En attendant, ils vont... Enfin, elle va bosser, quoi. Il lui fait sa vie, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Elle va bouffer, si tu veux. Il se fera un petit rencard au truc des lumières, ça va être sympa. Si, si, je suis sur 3 streams en même temps. Ah oui! La vache! T'arrives à suivre? Parce que c'est beaucoup quand même. Moi, je pouvais faire 2, mais 3, c'est pas possible par contre. J'y arrivais pas. 3, c'était beaucoup trop long. Bah, beaucoup trop. Ça, dans tous les sens, ça parlait. J'arrivais pas. Donc, bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu zéro parce que j'ai pas le time d'aller sur les streams des autres. Donc, c'est triste, hein, mais c'est comme ça! C'est bon, tout le monde a fait ses devoirs? Mais c'est merveilleux! Tu vois, moi j'aime pas les roses! Parce que ça pique! Oh, c'est pas vrai! Oh, incroyable! Vas-y, bon, bah le chili c'est pas mal, mais quand même le burger frites c'est mieux, hein! Pourquoi ma saveur ressemble à une poubelle? Tu vois, celles qui sont rondes? Regarde-la! Elle est moche comme une poubelle et en plus elle sent pareil! Ah là là, franchement, vous avez conçu où celle-là dans un container? Je vais écrire à la mairie moi si ça continue, hein! J'en ai marre de vivre avec elle, hein. Je fais les dialogues. Toi, t'as vu ta tête aussi avec tes couettes là et ta frange? Non mais franchement... Il n'y a pas de bulle. Ah, moi je préfère vraiment les bouquins que de voir ta tronche, hein. Franchement, tu t'es vu? Ouais, bah c'est ça, ouais. Ah bah d'accord, en plus on me trompe. Je ne vous satisfais plus dans le chat, c'est ça? Je note. Je suis tristesse. Je vais aller pleurer sur ma tombe. Ah oui, moi j'ai déjà une tombe. Tombe de streameuse. Ici repose Agent Shirley. Des bisous Pauline. Repose-toi bien. Ah le coup de froid, regarde, moi j'ai le plaid. Parce que j'avais frisé, ça fait frisquette aussi. Hein. Il a fait frais aujourd'hui, wesh. Je suis pas encore prête, moi. Hein. C'est pas maintenant l'hiver. Ah, merci. Merci beaucoup, Anne. Tu es gentille. Merci beaucoup, petit cœur. Reste avec nous. Je veux savoir la fin. La fin de... La fin de quoi? La fin de ma vie? C'est pourri, ça, Jean-Claude. Tu vas être malade. Je le jette, hein. Tu m'en voudras pas, hein. Voilà. Oh non, les toilettes, ils sont cassées. 600 balles de toilettes. Bon, il va être 8h.
Juste le temps d'aller se repoudrer le pif. Et tu vas sortir. Voilà, tu vas te refaire une beauté. Toi aussi. Puis ils vont aller. Ah, tu vas être admiré, toi. Et te refaire une beauté. Voilà. Et comme ça, ils vont aller tranquillement en rancard. Ma tige. Ma tige. Je suis une tige. Je te suis plus qu'un géant, Adam. Surtout ce qui est Star Wars, Harry Potter. Ah oui, c'est pas du tout mon cas. J'ai chauffage chez moi, mais hier j'ai sorti les poubelles sous la pluie. Ah, moi j'ai toujours pas mis de chauffage. J'attends. Encore 2 semaines. Moi que sur ton stream, car faut déjà réussir à te suivre comme même. Bah bien sûr, mais je fais exprès, comme ça vous avez pas le temps d'aller voir ailleurs. Bon, ça suffit. Alors, tu vas le demander en rancard, ce Jean-Claude. Oh non, et bien sûr, monsieur, il se prend tout de suite une... Oh là là, oh qu'est-ce que j'ai chaud. Oh non, déjà Martial Hux. Quelle tristesse. Je vais au lit. D'accord, bah tout à l'heure j'arrive. Des bisous. Il a dit oui pour le rencard, mais qu'est-ce qu'on a de la chance. D'accord, je te lèverai à 6h, pas de soucis. Je mettrai mon réveil. Non mais j'avais compris ce mono, t'inquiète. Non mais c'est chiant ce correcteur, hein. Des fois moi j'envoie des messages et je me rends compte qu'après évidemment le truc c'est pas ce que je voulais dire. Je vous jure, hein, c'est quand même pas... C'est pas facile la vie, hein. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre comme jolie tenue? Il fait quoi? Il fait juste nuageux, un peu froid. Alors ça c'est les tenues d'été. Ouais. Ah bah tu vas mettre cette tenue là. Et toi aussi on va te changer. Ils sont en rancard quand même. Faut qu'ils soient bien sapés. Oh oui, ça c'est pour. Mais ça c'est pour le mariage. Faudra qu'on les marie, hein. Ouais, tu vas mettre ça. Ah, tu vas offrir un cadeau, un aspi chic. Ben non, on va pas t'offrir un aspirateur quand même. C'est pas très. Oh, c'est où déjà qu'on peut acheter des trucs? Oh là 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 là. Acheter des cadeaux. Acheter des cadeaux. Jardinage. On va t'offrir une pomme. Une rose. Allez, on va lui offrir une rose parce qu'on est riche. Est-ce que toi, t'as des trucs à lui offrir? Ah, tu peux lui offrir un Gérard. Et nous, on va t'offrir une rose rare. Non, ça fait moins rire. Tu vas partager l'esprit de machin. Et tu vas envoyer un bézail. Ça, heureusement que le côté SMS, je me relis car des fois je marque. Je me doute, le jeu me doute. Quel enfer! Après, c'est pas la bonne orthographe, mais bon. C'est quand même très chou. Ah, Théo, c'est horrible. Oh non! Ah, c'est horrible. Ah, elle est trop belle. Pom-pom, elle est trop belle. Tiens, mon cœur, j'ai un cadeau pour toi, un aspirateur, que faut que tu gères la poussière, car j'en ai marre, c'est ça. Ah là 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 là. Complimenter l'apparence. Mais alors, ils sont pas encore en jouleur là. Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas assez chaud? Allez, tu vas offrir un cadal. Tu vas l'offrir à un Gérard. Oh Gérard. Oh Gérard. Gérard, Gérard. Et toi, tu vas l'offrir une rose.
Ça y est, tu l'avais pas vu mon cadeau, hein. J'espère que ça te plaira, hein. Alors c'est un petit jeu de mots, mais j'espère que ça te plaira. Elle a l'air de kiffer. Elle a pas compris sa vanne. Oh, c'est trop mignon. Elle aime pas le cadeau? Elle a pas aimé le cadeau! Une rose à 144 simflouz, mais tu te fous de ma goule? Mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là? Mais quelle honte! Allez, dépêchez-vous de faire votre encart, on va encore être en retard. Hé, c'est déjà les feux d'artifice! Viens dès, hein. Flamber de l'argent. On va passer du temps ensemble? C'est parti. Bonjour madame. Madame, vous avez un gros ventre. Oh tiens. Opaline. Ah bah d'accord. À ne pas reproduire chez vous, évidemment. C'est parce que les Sims le font que vous devez le faire. Ils sont où? Ah bah ils sont partis. Vous avez... Oh, c'est trop beau, hein. C'est trop beau, hein. Moi, j'aime trop, hein, les fêtes d'hiver. Ce qui est dommage, c'est que ça bouge pas. Mais ça reste magnifique. Franchement, les petits trucs comme ça sur le canal, c'est trop joli. Voilà, c'était la minute. Je vous fais découvrir le mont Komoretebi. Komorebi, Babi, Tabit. Comment va ta bite? Enfin bref, t'as compris. Oh là là, non mais c'est bon quoi. La sœur qui vient le jour où on fait un rencard. Comme même. Ils peuvent même pas baiser. Ils peuvent pas baiser ici. Non, ils peuvent pas faire ça dans les toilettes. Et un buisson? Ben non, il n'y a pas de buisson. C'est trop nul. Ils ont même pas prévu un endroit pour crac-crac, hein. Quelle tristesse. Mais casse-toi, Opaline. On est en plein rencard, nous. On n'a pas baisé depuis 5 ans. Rends-lui son caillou, hein, quand même. Tu fais parfois des constructions? Oui, bien sûr, Xav, bien sûr. Mais le mercredi, on est spécialement, c'est rendez-vous de notre Soberry, donc effectivement, c'est spécifique. Vas-y, mais casse-toi, franchement, casse-toi. Tu peux pas te barrer de là? Il a faim, Jean-Guy? Ah oui, il a faim. Va manger. Commander à manger. Oh. Oh. Yaki soba au bœuf, vas-y, fais-toi plaisir. Et elle est fatiguette. C'est là les sushis, mince. C'est là que j'aurais dû faire bouffer. Il y avait un truc par terre. Ah, c'est un yaki soba aux légumes. C'est pas grave, c'est Pomme qui va aller manger par terre. C'est dégueulasse. D'accord, je suis plus mode construction, tu fais d'autres jeux aussi? Ouais, je fais d'autres jeux, ouais. Je fais des surtout jeux de gestion et jeux d'horreur. Voilà, c'est vraiment plus mon délire. Donc, waouh, waouh, la belle verte. Waouh. Oh, c'était beau, cette petite gerbe de... Mais qu'est-ce que tu fais? Caroline Rainbow. Mais qui est-ce? Parent d'Alia. Oh. Donc attendez. C'est la nièce de Toya. Oh, je sais plus.
C'était la nièce de Toya. Donc en fait, elle fait partie de la famille. Super, elle se frite direct. Il y a un peu de tout là-dedans, hein. Ah, mais en fait, on est de la même famille. Pourquoi on se tape dessus, hein? C'est contre-naturant. Quand même, Shirley, avec l'argent qu'ils ont, tu lui fais ramasser l'assiette au sol. Ouais, je sais. J'ai la flemme. Mais ouais, je suis une connasse. Va jouer. Phasmo, si tu fais Phasmo, je sub. Bah oui, je fais du Phasmo, ouais. Normalement, on y joue samedi soir, si tu veux passer. Et je ferai aussi normalement du Hunter... Hunter Corp, je sais pas quoi, là. Parce que j'ai à peine essayé, et je vais réessayer samedi. On va se faire une soirée Phasmo, chasse aux fantômes, quoi, en gros. Mais oui, Phasmo, ouais, à fond. J'adore ça, Phasmo. Ok, tu as gagné un sub. Ah bah, le chat peut te confirmer que je fais du Phasmo, hein. C'est pas juste pour... dire, voilà, c'est... J'aime beaucoup Phasmo, ça fait un an que j'ai joué. J'ai vu ça sur Facebook, ça fait un an que j'ai commencé à jouer sur Phasmo. Voilà, ça fait un an et deux ou trois jours là maintenant, mais... Déjà, Ghost Hunter Corp, ouais, c'est ça. Y a pas de petites économies, bah oui, c'est comme ça qu'on est toujours perpétuellement au-dessus du million. Le million, c'est un cheat, hein. Non, je rigole. On l'a gagné à la loterie, honnêtement. Donc, on l'a honnêtement gagné à la loterie. Bon, eh ben, je suis désolée, mais on n'a même pas réussi à les avoir tous les deux en jouleur. C'est une catastrophe internationale. Vous allez discuter ici, mais sans Opaline, ce serait sympa. Mais elle se ramène, cette grosse gogole, là. Mais casse-toi. Mais elle veut pas se barrer. Casse-toi, Opaline. On veut pas te voir. On t'aime bien, mais on veut pas te voir comme même. En fait, dès que j'essaye de faire un accent du sud, t'as le comme même qui revient. Ça me saoule. Ah si, il y a le au revoir. Attendez. En fait, je cherchais... voilà. Vas-y, casse-toi. Eh, casse-toi! Plus on a dépassé les deux heures là. Ah! On est toujours pas médaille d'or, les enfants. C'est infernal. Merci beaucoup, Xav, pour ton abonnement. Merci énormément! T'étais pas obligé, tu pourrais essayer de voir mon skills avant, mais c'est adorable. Merci beaucoup. Gros bisous à toi et smell les boules. Oui, c'est très drôle pour nous. Oui, voilà. Voilà, avec les nouveaux trucs, c'est un petit peu nawak. Hein. Je suis un peu super nul. On arrive même à crever en amateur. Jamais on mourrait en amateur. Bah, on meurt en amateur maintenant. Ça... Mais bon. Marine, tu vas les compter, les comme même. Tu pourrais les compter, ce serait horrible de voir à combien de fois je les dis quand même. Je suis un fan de Phasmo, j'espère qu'on pourra jouer ensemble. Bah pourquoi pas, hein, peut-être. Ils sont toujours pas enjôleurs, hein. Ah bah, rencard terminé, c'était pas terrible. Bon allez, on se casse, on va rentrer à la maison. On habite où déjà? Ah oui, Hanford. Je sais plus moi. Enfin, j'ai quand même trois parties qui se passent à Hanford, mais j'oublie. Bon, en fait, les trois parties qui sont sur ma chaîne, c'est du sur Hanford and Bagley, mais... j'oublie où j'habite, c'est merveilleux. Alors, si j'ai Discord, c'est avec la commande réseau, tu as le tout. Merde, j'ai oublié de ramener mon mari. Enfin... Ils sont pas mariés, mais bon, c'est tout comme. Hein. Allez, un petit crac-crac, parce que comme même, hein, il faut fêter ça.
Mademoiselle, il est quand même un peu tard là. Il est 3h du matin. Bon, après, elle est pas fatiguée donc. Et elle? Mais normalement, il y a un paramètre de sécurité. Normalement, il y a que Pomme qui a droit d'y aller. Bah, tout le monde sauf Pomme. Bah, oh, tu te prends pour qui, toi, Jeannette, là? T'as d'autres jeux, hein? Et t'as aussi dans ta chambre, t'as tes trucs, là. T'as un serré... Non, c'est même pas un dragon, c'est un dinosaure. Vous voyez, là, d'un seul coup, on a moins envie, hein? Allez. Le petit rancard, le petit crac-crac, hein, c'est comme ça. Hein. Monsieur a investi. Il a acheté un plat de bœuf, là, il veut baiser, hein, c'est normal. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux comme commande? Prochain live, je les compte. Ouais, ok, pas de soucis. Quand un enfant naît, tout était bloqué, il faut refaire à chaque fois pareil pour les portes. Ah ouais? Très bien. Ah, tu veux dire qu'à chaque fois tu fais genre le truc et ça te les compte? Mon Insta et mon Twitter ne fonctionnent pas. Bah marde alors. C'est la première fois qu'on me le dit. C'est quoi ce délire? Effectivement, ça ne marche pas. Alors, mon tweet-oui. Mon tweet-oui. Viens là, mon tweet-oui. C'est Jean Shirley TV. Pourquoi le tweet-oui ne marche pas? Je suis perdue! Ça, le tweet-oui, il est là? Bah, si, c'est ça! N'importe quoi. Attendez, hop! Qu'est-ce qu'elle est en train de jouer? Le tweet-oui est là. Et où est le Instagram? Le Instagram! Je comprends pas parce que c'est ça en fait, les liens sont bons. Mais c'est vrai que quand tu cliques dessus, ça ne marche pas. Et le Insta est là. On est d'accord que là ça fonctionne? Bah ouais, c'est complètement con. Parce qu'il y a trop de liens? Comment ça se fait que personne m'a dit que ça marchait pas? Comme même avec ma voix. Oh putain, vous avez pas peur vous. Bon, on va coucher les gamines. Discuter avec Céleste, ouais ben. Céleste aussi, elle va espioter. C'est pas grave si elle est pas fatiguée. Elle est pas fatiguée. Elle va quand même aller dormir. Je mets sur pause et j'enregistre parce que nous sommes à 2h08 de rediff, donc forcément c'est très long. Bah c'est cool, on a quand même avancé, on a les filles qui sont déjà enfants, la prochaine anniversaire c'est dans 7 jours pour Nila, donc on a encore un peu le temps. On a quoi, 2 semaines, de quoi avancer au niveau des compétences de notre pom-pom pote, qui elle aussi va devenir... Merde, je clique partout, je sais plus où je suis. Qui va devenir adulte dans 2 jours. Donc ça va, on a encore un peu de temps devant nous. Hein. Oh, la vache, on a la... Et lui, dans 3 jours. Elle est plus vieille que lui d'un jour. C'est kiff kiff les... Oh, c'est trop bien. On a trop bien géré. Ok, et en fait, il lui reste donc, pardon... Et ben moins d'un niveau dans 2 compétences pour qu'on puisse valider ses compétences. Et il reste bien sûr 2 niveaux de carrière à compléter. Voilà, et ben ce sera pour la semaine prochaine ainsi que dans 2 semaines. Je vais faire des gros bisous à YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette rediff. N'hésitez pas à mettre des petits comme d'habitude. À dire bonjour sur Twitch si vous le voulez.
sachant que c'est le mercredi soir, le rendez-vous Notes Sobéry. Donc si vous êtes à jour, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On ne mord pas, et c'est gratuit, et ça fait plaisir. Et regardez, et vous pourrez regarder le fauve, et discuter avec lui si vous voulez. Je vous fais des bisous, bonne journée à vous, bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!